Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors c'est pour parler d'Arafat et de Trace Africa. Voilà, Trace Africa refuse de diffuser les clips d'Arafat. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons. Alors Arafat comptait sur le nombre de ses abonnés sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, parce que pour lui, c'est sa télé ça. Voilà, il n'a pas besoin d'une autre chaîne pour diffuser ses clips. Ça fait un. Et de deux, lorsque Arafat et Ariel a fait sortir Amina, il y a eu Trace Africa qui est venu demander des excuses, sinon réconcilier Arafat et Ariel, mais Arafat a refusé. Voilà, les a frustrés. C'est-à-dire que l'émission qui était venue a eu honte, est repartie. Voilà. Et après ça, quand l'émission est repartie, Arafat a fait une vidéo rapide pour dire que nous n'avons pas besoin de Trace Africa pour faire sa promo. Et lui, pour diffuser ses choses-là, ses abonnés sont là. Ils peuvent le faire. Donc, comprenez que ça frustre. Comprenez que ça humilie. Parce que les gens viennent, toi, tu fais ton palabre, les gens viennent te demander des excuses pour te réconcilier avec ton frère Ariel, tu ne veux pas. Ton petit Ariel, tu ne veux pas. Et après, tu fais une vidéo pour les frustrer. Alors, Ariel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été demandé pardon aux gens de Trace Africa. Voilà, parce que le grand frère Arafat, son comportement n'a pas été du tout bon. Donc, comprenez que les gens de Trace n'ont pas de problème avec Arafat. C'est Arafat plutôt qui a un problème avec les gens de Trace, puisque lui, il a dit qu'il n'avait pas besoin d'eux, qu'il n'a pas besoin qu'on diffuse ses clips sur eux. Lui, il a déjà sa chaîne qui sont ses abonnés sur YouTube, Insta et Facebook. Alors, tu ne veux pas venir insulter une chaîne panafricaine qui diffuse les artistes de qualité. Voilà, c'est pas intéressant. Arafat a eu même à insulter le directeur de B-Black. Donc il passe plus sur B-Black. Alors, comment se fait-il que toi, tu vas venir encore frustrer les gens de Trace Africa? Ça en est trop. Toi, tu comment? Tu fais pas là-bas des Bordeaux, Sey Benno, les Baby Philippe, les José, Ariel, tout ça là. Tu n'as rien dedans, maintenant ça y a les chaînes maintenant. Tu veux te... Donc demain, ça va être président. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Arafat doit mettre un peu d'eau dans son vin. Je ne sais pas qui lui donne des conseils, mais ça ne sert à rien de faire des vidéos encore pour venir raconter n'importe quoi. Voilà, là, il est dans une situation où ça ne va pas. C'est vrai, c'est un qui dit non, il ne faut pas demander pardon. S'il demande pardon, ça sera baissé. Tout ça là, c'est des personnes qui ne t'aiment pas. Moi, je pense que demander pardon n'avait pas dit qu'on est petit, mais c'est plutôt montrer aux yeux des gens et aux yeux du monde que tu es encore plus grand. Donc, n'est pas encore tard. Voilà. Certains disent aussi que Assalfo et Moula sont là-dedans. Moi, je vais vous dire que Assalfo et Moula ne sont ni de près ni de loin, hein, dans cette histoire. Donc, laissez-les tranquilles. Au contraire, ces personnes veulent que Arafat mousse. Les personnes veulent que Arafat avance. Donc, arrêtez de les accuser sans preuve, rien. Voilà. Laissez les gars dans leur coin là-bas. Donc, Arafat aujourd'hui et Trace Africa, c'est la raison qui est là. Trace ne veut pas diffuser Arafat parce que Arafat leur a manqué de respect. Arafat ne veut pas d'eux. Voilà pour sa promo. Aujourd'hui, c'est Arafat qui a besoin d'eux. Aujourd'hui, Arafat veut que Trace diffuse. Donc, c'est à lui maintenant de faire le pas. C'est pas à Trace de venir vers lui. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes, mais Trace Africa, passer là-dessus pour un artiste de qualité comme Arafat, je pense que c'est bon aussi pour sa carrière. Voilà. Donc, c'est tout ce que je tenais à dire. Restez se coucher. Et puis, sachez que les news viendront encore. Anche, Anche Lombert.